Depuis plusieurs mois, le monde arabe et perse subit des bouleversements politiques importants. Cela a des conséquences sur le fonctionnement même de la société, entraînant avec elle violences et drames de toutes sortes. Comment opérer un renouvellement des classes politiques sans tomber dans la violence? La modernisation de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient est-elle possible? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans une entrevue avec un témoin direct de la situation actuelle en Syrie, le père jésuite Paolo Dall'Olio. Nous avons le grand plaisir d'accueillir en studio à Cellules Lumière le père Paolo Dall'Olio. Bonjour mon père. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous voient. Alors, père Dall'Olio, vous êtes italien d'origine, mais vous avez passé une grande partie de votre ministère en Syrie. Parlez-nous un peu de votre vocation en Italie. Je sais que vous êtes romain, plus spécifiquement. Je suis né à Rome en 1954. Et j'ai vécu évidemment les temps difficiles après 68, avec beaucoup de nouvelles idées. Le Seigneur m'a appelé le 12 mai 1980, pardon, 1974, 74. Et il m'a offert tout de suite son amitié et une mission universelle. C'était pour moi immédiatement d'être prêt à aller n'importe où. Et je suis rentré chez les Jésuites en 1975, et très vite, la vocation pour servir la relation entre l'islam et l'Église est apparue comme ma vocation à moi. Donc en 1977, j'étais au Liban, à l'université Saint-Joseph, étudier l'arabe, et la Syrie, tout à côté, ça m'a plu énormément. Ça avait un cachet d'authenticité, de traditions bien enracinées, moins occidentalisées, voilà. Donc la Syrie, ça m'a plu beaucoup. Du coup, quand je suis parti pour une année encore d'arabe, ça a été Damas, et où j'ai étudié beaucoup l'islam, j'ai vécu avec les musulmans, j'étais dans les mosquées, dans les groupes soufis, je partais danser le nom de Dieu avec mes amis, c'était magnifique. Donc en 82, je suis tombé sur un monastère abandonné, syriaque orthodoxe d'origine, propriété de l'église syriaque catholique. Moi, j'avais déjà choisi l'église syriaque catholique pour mon enculturation, pour ma voie dans le sacerdoce au Proche-Orient. Et donc, je suis tombé amoureux de cet endroit incroyable. Un monastère perché sur des rochers, au milieu de nulle part, face d'un désert infini. Vraiment ce qu'il fallait pour imaginer un lieu, pour un pôle spirituel, pour attirer la société vers sa source, et un lieu d'hospitalité pour créer une atmosphère islamo-chrétienne dans une perspective eschatologique, dans une attente vers les choses finales. Si on n'attend pas les choses finales, les jours fériales sont insupportables et sont vides de sens. Donc, le monastère représente cette pôle magnétique d'une société, d'une église et d'une vie islamo-chrétienne vers un plus, vers un au-delà. Ah, très intéressant. Parlez-nous un peu justement de ce monastère. Vous avez découvert ce monastère. Est-ce qu'il était en parfait état? Ou est-ce que vous avez dû travailler à sa reconstruction? Qui vous a aidé dans cette mission? Il était en parfait état de ruine. Donc, il n'y avait pas de toit. Je suis arrivé la nuit, il y avait une toit de toile absolument épatant et tout le reste tombait en ruine. Donc ça a été un long travail de 10 ans avec une école de restauration pour restaurer les lieux. Et après, nous avons créé une communauté de frères et sœurs orientale, écuménique, pour l'harmonie islamo-chrétienne. Et les choses ont monté jusqu'à un point où on a dû bâtir beaucoup parce qu'on est arrivé à 50 000 visiteurs par an. Et beaucoup d'activités dans le dialogue islamo-chrétien, des congrès, beaucoup d'activités dans le travail pour combattre la désertification avec la population locale pour le développement durable dans une situation
naturelle difficile, comme une région très sèche et pas développée. Donc, avec les gens, nous avons imaginé des choses, commencé des projets. Tout cela s'est arrêté en 2010 parce que je suis devenu plutôt part du problème que de la solution, comme on dit. Selon les autorités. C'est tout à fait. C'est-à-dire que les amitiés avec les gens de l'opposition, ceux qui demandaient déjà les droits civils, les droits de l'homme, le courant qui demandait plus de liberté. Donc, on s'est frotté avec des gens un peu corrompus et, dans la société, dans l'Église. Donc voilà, on a tout arrêté. Et ça continuait à aller mal jusqu'à quand, il y a un mois et demi, on m'a mis à la porte. Oui, j'aimerais ça justement que vous nous parliez un peu de cette expérience que vous avez justement été expulsé d'une manière qui a été très médiatisée le mois dernier de la Syrie. Pouvez-vous nous parler un peu des circonstances de cet événement? Je voudrais souligner cette histoire de très médiatisée, parce que on pourrait dire, mais pourquoi ce prêtre, il se médiatise autant? Est-ce qu'il veut faire la concurrence au pape? Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat pour la liberté, un combat pour l'harmonie islamo-chrétienne, un combat pour la Syrie pluraliste. Et ce combat doit être porté là où il est possible. Moi, je suis un homme de communication, pas un homme d'armes. Et j'aurais voulu, par la communication, éviter aux jeunes Syriens de prendre les armes. Mmh. On aurait voulu, par l'opinion, par l'expression, par le combat d'idées, éviter aux jeunes Syriens d'être traînés dans le combat armé. On a échoué. Et si je continue tous les jours à faire mon combat de la parole, c'est parce que j'espère que la parole aura le dernier mot dans cette guerre qui est déjà là et que le monde regarde sans pouvoir faire beaucoup ou sans vouloir faire beaucoup. Durant les 30 dernières années, vous avez été un promoteur de la démocratie, du dialogue, de la liberté. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets? Comment ça se manifestait dans votre vie quotidienne durant ces années passées en Syrie? Les vendredis, les gens partaient à la mosquée et après, ils venaient faire leur pénique au monastère. Ah. Alors, nous avons 350 marches. En bas, le désert, nous essayons de nettoyer chaque semaine. Il y avait des services, des lieux couverts pour que les gens puissent être sans trop de soleil. Alors les gens venaient pique-niquer en famille, des centaines de voitures. Mmh. Et ils venaient en microbus, ils venaient en comitive, c'était incroyable. Et après, ils montaient tous au monastère, les enfants, les vieux, et ils venaient voir l'église. Ils se déchaussent à la porte de l'église, ils rentrent dans un respect religieux musulman, dans une église chrétienne. Les fresques leur sont expliquées. Par l'explication des fresques, on fait une communication sur l'essentiel de notre foi chrétienne. Oui. Hein? Et les gens s'assoient avec les moines, ils allument une bougie à la Vierge, ils demandent quelque chose à Dieu, et il semble que Dieu leur donne, parce qu'ils continuent à venir chaque semaine. Même avec la guerre commencée, même pendant la guerre, même au moment de plus grave, de manque de sécurité, les familles continuaient, musulmanes, venir visiter ce monastère qui est le leur. Nous sommes leurs moines. Nous sommes leurs chrétiens. Hein? Et ils se sont appropriés très bien. Ils sentent que c'est à eux. Et ça, c'est les jours par jour. Mais en plus, on a des jeunes qui viennent, des jeunes chrétiens et musulmans, qui viennent participer de notre vie, qui font du volontariat avec nous, dans la bibliothèque, dans l'hospitalité, parce que vous ne pourrez jamais recevoir tout ce monde tout seul. Hein? Bon. Et une, deux fois par an, nous avons fait des congrès, des conversations, plusieurs jours de conversation sur une question. Alors, par exemple, une année, nous avons fait la question de la reconnaissance de l'autre. L'autre, dans une relation... Aujourd'hui, on comprend comment c'était intéressant et important quand les Syriens sont en train de combattre une guerre civile entre eux. La retraite spirituelle, l'exercice spirituel, si vous voulez, dans les religions, dans l'expérience de différentes religions. L'expérience spirituelle et l'engagement social,
on pourrait dire politique, mais nous on a dit social, parce qu'on avait la moitié de l'assistance, de ceux qui participaient, c'était des gens de services secrets. Une fois je leur ai dit, écoutez, vous devez dire à vos officiers que nous sommes en train de vous faire pour gratuitement des sciences de formation et qu'on voudrait bien qu'ils sachent considérer notre engagement. Nous étions considérés dangereux. Il y avait au moins une dizaine chaque fois d'officiers des services de sécurité qui participaient à nos travaux. Et on est devenus amis, on parlait. C'est, l'atmosphère était celle qui laisse se dessoudre ces cellules du cancer, du refus de l'autre, le cancer de la haine, le cancer du préjugé, le cancer de la phobie de l'autre, qu'il soit islamophobie ou chrétiennophobie, c'est la même chose. Et j'imagine que vous considérez un peu votre témoignage en ce moment comme une continuation justement de ces cours-là d'engagement social. Et voilà, tout à fait. Il y avait entre la théorie et la pratique, une belle respiration, avec des difficultés graves qui ont amené à... Voilà, et toute la Syrie est allée dans le mur, comme on dit. Nous sommes allés tous dans le mur. Mais maintenant, toutes ces expériences positives, il faudra bien les relancer. Pendant le dernier Ramadan, j'étais en train de jeûner, en jeûne Ramadan, en solidarité, c'est un bon exercice. Et les chrétiens jeûnent le Ramadan avec les musulmans. Ça fait bien la santé de l'âme. Et on a reçu un groupe de familles, chrétiens et musulmans, qui venaient terminer le jeûne du Ramadan le soir au monastère pour prier, surtout des femmes qui venaient prier pour leurs enfants en prison, prier pour leurs enfants tués, prier pour cette Syrie meurtrie. Et nous avons fait hier soir la même chose à Montréal avec les Syriens, chrétiens et musulmans. C'est cet esprit-là, je crois que c'est la mission de la Syrie dans le monde. Elle passe maintenant par l'épreuve de la mort. Elle va ressusciter. Oui, j'en suis convaincu avec un témoignage comme le vôtre. Quelle est, selon vous, l'attitude que devrait avoir la communauté internationale par rapport à la résolution? Quelle est l'aide que devrait apporter la communauté internationale par rapport à ce conflit? Il y avait eu le choc de la Libye tout de suite avant, disons que le mouvement en Syrie, le choc libyen était en cours. Et les Syriens, l'opposition syrienne, les révolutionnaires syriens, vous voulez, ils ont dit, mais nous ne voulons pas d'intervention étrangère. Nous ne voulons pas d'armée chez nous. Parce qu'il ne s'agit pas de renverser les choses. Il s'agit de se développer tous ensemble. Après, c'est un fait. La répression a été tellement sauvage que les gens ont commencé à crier « Sauvez-nous, quoi !» Comment vous pouvez regarder ce qui se passe sans rien faire? Et ce qui est étrange, que la communauté internationale s'est figée sur des tensions géostratégiques entre Russie et Atlantique, entre sunnites et chiites, Iran, Arabie Saoudite, Turquie, et on nous a laissé nous entretuer au nom d'intérêts étrangers. C'est vraiment dramatique. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères canadien de reprendre le bâton du pèlerin de la diplomatie. Et puisque le Canada a affaire avec la Russie dans la mer du Nord, et donc il doit y avoir des canaux, des voies diplomatiques qui fonctionnent tout le temps, quoi. Et que donc ce savoir-faire sont mis au service de la pacification de la Syrie et que les bons offices, pour ainsi dire, de la Russie puissent convaincre l'Iran et qu'on puisse convaincre l'Amérique, l'Arabie Saoudite, la Turquie, que les Syriens ont droit à la démocratie et que la Syrie peut être un pays neutre, comme l'Autriche après la Deuxième Guerre mondiale, et que c'est un pays oasis où tout le monde est reçu, tout le monde est bienvenu. C'est un pays harmonie. Donc, pour une Syrie comme ça, laissez un peu tomber du côté de vos intérêts, quoi. C'est une Syrie pour tout le monde. Et donc, que tout le monde s'en occupe.
Un oasis culturel, on pourrait dire, parce que chacun de nous a des racines lointaines en Syrie. Absolument, hein? Pas tellement lointaines, hein, nos racines apostoliques qui sont en Syrie. Oui, hein. Oui, exactement. J'aimerais savoir aussi quelle est votre opinion sur le rôle que devrait avoir l'Église et les communautés chrétiennes. Je suis obligé à dire que l'Église n'a pas su jouer le rôle qu'elle aurait pu jouer. Des jeunes chrétiens sont sur le terrain, ils s'occupent des malades, des blessés, ils s'occupent d'aider les gens. Il y a des prêtres, des religieuses qui font un travail magnifique sur le terrain. Ça, c'est la vraie réconciliation. Hein? El Moussalaha, à partir des besoins urgents des gens en détresse. Mais du point de vue du témoignage de vérité, pour les droits des Syriens à un changement dans les droits de l'homme et la démocratie et la liberté, je crois que le seul qui a vraiment parlé, ça a été le pape Benoît XVI. Mmh. Les communautés chrétiennes elles-mêmes ont été beaucoup victimes des violences en Syrie, comme ailleurs au Moyen-Orient, spécifiquement comme groupe, on le sait. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent un nouveau régime en Syrie pourrait être un plus grand risque pour ces communautés chrétiennes? Les communautés chrétiennes ont été trappées en Irak, dans la guerre civile entre sunnites et chiites, avec ce chapeautement étrange d'une présence étrangère. Mmh. Donc tout le monde faisait la guerre à tout le monde. Du coup, les chrétiens étaient le lieu faible de cette structure conflictuelle. Mmh. Et ils ont été, pour ainsi dire, étranglés. Hein. Mmh. Beaucoup de chrétiens sont venus en Syrie, et après ils sont au Canada. Mmh. Il y en a qui ont émigré à l'intérieur de l'Irak vers le Kurdistan, ou pour des raisons historiques, ils se sont pu se regrouper, pour ainsi dire. Hein. Et il en reste peu dans d'autres villes, et même à Bagdad, ils ne sont pas nombreux. Donc il y a eu une grave souffrance. Cela a choqué les Syriens. Parce que, hein, et en plus, il y avait déjà la grave souffrance de la guerre civile libanaise. Hein, et même les chrétiens d'Iran avaient, pour ainsi dire, souffert de la révolution communiste. Hein, mm-hmm. Et nous avons les souvenirs tragiques turcs de la Première Guerre mondiale et des génocides et tout ça. Donc il y a une angoisse chrétienne. Hein. En Égypte, même le régime de Moubarak utiliser la tension avec les musulmans pour se tenir en place. Mmh. On a découvert après qu'il y avait vraiment de la saleté quoi, là-dedans. Les ministres des Affaires intérieures poussaient les extrémistes pour pouvoir après protéger les chrétiens et maintenir le jeu du pouvoir. Ça a été mal joué et on en paye un grave prix. Je crois qu'il faut faire un travail pour récupérer la valeur théologique du bon voisinage chrétien, musulman, juif, dans la ville arabe traditionnelle, hein, où le symbole est Abraham, mm-hmm. fils d'Abraham, nous sommes appelés à une hospitalité réciproque. Mm-hmm. Cet œcuménisme arabe, cette hospitalité arabe, devrait être la belle tente d'Abraham sous laquelle les habitants du Proche-Orient pourront se protéger d'un soleil un peu qui chauffe les âmes et que retrouver la fraîcheur de la fraternité. Selon vous, quel est votre plus grand souhait pour la Syrie à court et à moyen terme? Le souhait à court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est que le puissant de la terre puisse sentir quel devoir envers le peuple syrien pour essayer de faire taire les armes et redonner à la parole tout son rôle de restituer aux Syriens leur droit à la démocratie, à la liberté, mm-hmm. hein, protéger sur place les gens. Aujourd'hui, nous avons besoin de forces de l'ONU qui viennent séparer les gens qui, dans la région de l'Oronte, la Syrie occidentale, sont en train de vivre une vraie guerre civile. La répression est sur tout le pays, mais la guerre civile est surtout là-bas. Hein. Et après, nous voudrions avoir des dizaines de milliers
des peace, des gens qui, des peace promoters, des, mm-hmm. des gens qui promouvoir la paix, ouais. des promoteurs de la paix, mm-hmm. des organisations pacifistes, de scouts adultes, des Croix-Rouges, de tout ce que vous voulez, qui viennent aider, consoler, promouvoir la société civile syrienne pour retrouver nos racines et donner à nouveau du bon fruit. Et j'imagine que vous aimeriez prendre part à ce retour et à cette construction de la paix. Est-ce que vous considérez votre retour en Syrie prochainement? Ou? Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, si Dieu veut. Proche. Dans la paix, dans les larmes pour nos amis de faim, pour les larmes pour nos martyrs, pour les larmes pour nos ennemis tués et les ennemis de la liberté, pas mes ennemis à moi, moi je n'ai pas d'ennemis, ce sont tous mes enfants. Et pour ceux qui seront obligés à quitter le pays, j'en sais rien. On travaillera pour la réconciliation, on voudrait un pays pour tous les Syriens. C'est très beau. Et moi je veux rentrer en Syrie pour ça. Pour construire la paix et porter le témoignage du Christ. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Est-ce que vous auriez un message à divulguer pour les Canadiens qui nous regardent? Moi, j'ai pris nos amis qui nous regardent maintenant de prier pour la Syrie, de prier pour les Syriens, surtout ceux qui sont en très grave danger, pour les familles qui ont dû quitter leur maison. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos prières et vos pensées. Et le Seigneur vous donnera peut-être simplement le désir de visiter la Syrie tout de suite qu'elle sera en paix pour pouvoir vous aussi mettre votre pierre pour bâtir ce pays qui est à vous, qui est aussi à vous et qui est pour vous. La guerre porte toujours avec elle son coût en pertes humaines. Cette situation est souvent décuplée lorsqu'il s'agit d'une guerre civile, puisqu'elle implique un déchirement à l'intérieur même d'une population. Comment instaurer dans une région aussi difficile ce que Jean-Paul II appelait une culture de l'amour? Le père d'Allolio est un bon exemple d'un effort pour créer une société basée sur le dialogue et le respect mutuel. Prions pour que cette terre riche en histoire retrouve cette ouverture qui a fait d'elle le berceau de l'humanité. Je suis Francis Denis. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.